Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous accueillir en direct sur Antenne 2 pour que nous célébrions tous et toutes ensemble cette 15e nuit des Césars qui sera musicalement interprétée, mais cela, vous l'avez sans doute déjà noté, par Claude Bolling et son grand orchestre. Et puis parce que j'ai le privilège et l'honneur d'être la première à venir sur cette scène prestigieuse du Théâtre des Champs-Élysées, puis parce que je pense aussi, quelque chose me dit que peut-être on échangera ici même quelques merci ce soir, je voudrais être la première à vous le dire. À vous les actrices et les acteurs, les réalisateurs, les producteurs, les directeurs de la photo, les ingénieurs du son, les techniciens et puis les distributeurs aussi, à tous ceux qui sont et qui font le cinéma français. Je voudrais vous dire très simplement, mais très sincèrement, merci. Merci d'être là, si chaleureux, et comme vous le savez, c'est aussi un anniversaire que nous célébrons. Et je voudrais vous dire que cet anniversaire, à la vérité, a commencé de s'élaborer il y a 15 ans et même un petit peu plus. À ce moment-là, Georges Craven s'est lancé héroïquement à la traversée de l'Atlantique pour aller rencontrer M. Louis B. Mayer et regarder comment cela se passait aux Amériques. Et à ce propos, je voudrais vous raconter une petite histoire, parce qu'elle est exemplaire. L'on dit que lorsque l'on remit à M. Louis B. Mayer la première statuette qui allait récompenser les lauréats, sa secrétaire s'exclama un peu abruptement peut-être, « Oh, on dirait mon oncle Oscar !» Et de ce fait, ce fut le nom de l'oncle de la secrétaire, etc., etc., qui passa dans l'histoire du cinéma américain. Eh bien, nous avons choisi de marier au 7e art l'un des plus prestigieux sculpteurs contemporains français, j'ai nommé César. Alors bien évidemment, il n'y a pas de récompense, ce serait trop facile sans concours, et quand il y a concours, il y a des votes, et vous avez été des milliers à choisir les nominés, puis ceux qui seront les lauréats ce soir. Des milliers de la profession ont voté pour eux. Pour l'instant, les noms sont encore tenus au secret dans des enveloppes fort closes qui reposent entre les mains de nos incorruptibles. Messieurs Lelu et Pichon, huissiers de leur état. À tout à l'heure, messieurs. Et puis parce que le moment est venu de commencer, pour bien commencer cet anniversaire, je voudrais que vous regardiez sur le grand écran qui est derrière moi et qui symbolise tous ces grands écrans. Vous nous donnez tellement de bonheur. Je voudrais que vous regardiez surgir tous ceux et toutes celles qui, à la vérité, sont l'honneur du cinéma. Regardez ces images, c'était en 1976, et c'est jusqu'à ce soir le cinéma qui nous parle. Ingrid Bergman, je suis heureuse et très fière d'avoir un des premiers nouveaux-nés. Et... je suis sûre qu'elle sera contente de joindre ses frères Oscar ce soir à la maison. Je voudrais venir et adresser un bravo à Georges Craven, qui est le père, le petit papa de César. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. Je déclare la cérémonie ouverte.
très heureuse et très fière. Simone Signoret pour la... Merci beaucoup. Merci mille fois. Oui. Maintenant, we go over here, right? Oui. Merci. Et maintenant, on va le cinéma reste quelque chose, et il a de grandes chances de le rester et de ne pas devenir trop quelconque grâce à tous ces quelques-uns qui sont là ce soir et qui l'aiment tant comme moi. Merci. Ce prix est aussi le vôtre, mais avec votre permission, je le garderai chez moi pour vous. C'est la première fois que je reçois un prix pour moi toute seule et je suis très contente que ce soit pour le dernier métro. Merci. En vérité, je vous le dis, allez au cinéma. Vous allez voir, c'est formidable. C'est comme à la télévision, mais en beaucoup plus grand. Il n'y a pas de bruit de fourchette, il n'y a pas d'enfant qui pleure, il n'y a pas le téléphone qui sonne. Il y a de la pub avant et après, mais jamais pendant. Vous voyez le film comme il mérite d'être vu. Ouh, c'est vrai que ça fait peur. Je suis très ému. Viens ici, Christophe. Christophe, la volonté, c'est de ne pas être d'accord, de ne pas se soumettre, s'opposer. Salman Rushdie, écrivain, verset satanique. Et ce soir, vous m'avez pris par surprise, je n'ai pas de discours. Mais je vous remercie mille fois et ça me rend très heureux. Merci. Merci. C'est une légende vivante de Hollywood qui entre sur scène, une légende qui sait écrire, souvenez-vous, Le fils du chiffonnier, ses mémoires, et un roman à paraître, Danse avec le diable. Merci. Bonsoir. Bonsoir, 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 mesdames, messieurs. Vous savez, c'est encore moi pour la troisième fois. Mais cette fois-ci, je suis tellement heureuse parce que je suis le président. Ça, c'est quelque chose d'important. En Amérique, vous savez, c'est
pas très difficile pour un acteur de devenir le président. Mais ici, c'est vraiment important et je vous remercie. Vous savez, je suis arrivé à Paris il y a plus que 35 ans pour faire un film en français. Depuis ce film, je n'ai rien fait un autre film en français. Pourquoi? Peut-être j'ai fait quelque chose maladroit, peut-être mon accent, mais je n'ai fait un film. Mais, heureusement, à cette époque-là, j'ai fait la connaissance de ma femme Anne. Et française. Mesdames, messieurs, heureusement, j'ai fait quelque chose correct. En Amérique, nous aimons vos films, vos artistes. Nous croyons que le film parle une langue internationale. C'est pour ça que je suis très content. Comme votre président, je voudrais dire que je déclare ouverte la 15e cérémonie des Césars du cinéma français. Merci. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous proposer d'avoir à réapplaudir une seconde fois. Quel bonheur, Monsieur Kirk Douglas, parce que c'est aussi l'auteur que nous saluons ce soir. Vous savez qu'il a participé à un numéro tout à fait admirable d'apostrophe, qu'il y a remporté un grand succès. Il vient de réécrire un second livre intitulé « Danse avec le diable ». Et ce soir, notre ministre de la Culture, Monsieur Jean Lang, l'a fait chevalier de la Légion d'honneur. Bravo. Alors voilà, le moment est venu d'entrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, eh bien, c'est le César que nous allons décerner pour le meilleur acteur dans un second rôle. Mais auparavant, grâce aux archives, je voudrais vous faire revivre. C'était un moment historique puisque c'était la première fois et que c'était le premier César. Je voudrais vous faire revivre ce qui s'est passé en 1976. Alors je vous propose de regarder le grand écran et d'y retrouver celui qui fut le premier nominé. J'ai le plaisir de vous annoncer que le gagnant est Jean Rochefort pour que la fête commence. Mais je suis très touché, je suis très ému. Je pense arriver très froidement, disant ça n'a aucune espèce d'importance. Je suis tellement heureux d'avoir battu Lanou, Bouise et Devers que j'éprouve une satisfaction énorme. Non, mais très sincèrement, ça fait... C'est une grande joie. Merci. César Rossi du meilleur acteur en 78 pour le craque-tambour. Ne m'applaudissez pas trop, parce que vous savez bien, les habitués, qu'il y a un phénomène de saturation qui opère, et je ne voudrais pas que les suivants passent dans l'indifférence générale. On a toujours dit, souvent, que les Césars pouvaient être truqués. À la vue de ce document, j'apporte formellement une défense à cette affirmation, parce que si, il y a quelques années, j'avais été certain de monter sur la scène, jamais je n'aurais mis cette veste lit de vin atroce que vous avez vue. N'est-ce pas, Philippe? Je n'aurais jamais fait ça. On va demander à Georges Craven de créer assez vite le César du vieil acteur. J'espère que vous me le donnerez dans une trentaine d'années. Merci. Alors, on n'applaudissait pas. Non, non, non.
Je suis donc là pour décerner le César du meilleur acteur dans un second rôle. Il s'agit de très grands acteurs. Qu'est-ce qu'un très grand acteur pour les cabots que nous sommes? C'est un très grand acteur qui, quand nous le voyons jouer, nous donne à penser que nous pourrions faire largement aussi bien. C'est pas vrai. Il s'agit de Roland Blanche dans Trop belle pour toi. De Jacques Bonafé dans Baptême. De François Cluzet dans Force majeure. Robert Hirsch dans Hiver 54. Et de François Perrault dans La vie et rien d'autre. J'ai pas vu, on avait beaucoup. Alors vous avez hésité entre ces cinq acteurs magnifiques. Maintenant, nous n'hésitons plus. C'est Robert Hirsch. Magnifique carrière à la Comédie Française, dont il fut l'un des grands sociétaires. Délirant dans Showbiz de Jean-Yann, excellent dans La Crime de Philippe Labro. Au premier plan, le théâtre. Il joue actuellement Moi, Feuerbach, au théâtre La Feuillère à Paris. Oh là là, c'est beau, surtout vu de près. Et là, là, c'est bien. Non, ben, c'est la première fois de ma vie que j'assiste à une fête du cinéma. Oui, tout arrive. Et je ne regrette pas d'être venu. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas gagné tout seul. Et bien sûr, je vais remercier parce que... Je vais essayer d'aller vite, pardon. Mais je ne croyais pas que ça commençait tout de suite par les... Ben... Bon, alors... Alors, je remercie l'abbé Pierre. Voilà. Je remercie l'abbé Pierre de sa présence sur le tournage, de ses conseils, de son humour. Je remercie Christian Ardan, bravo, pour avoir monté ce film, produit ce film. Denis Amar, je te l'ai déjà dit, grâce à toi, ces 2 mois de tournage ont été 2 mois de vacances. Des vacances payées, mais 2 mois de vacances superbes. Quant à Marie Devore, merci à Marie Devore d'avoir, entre autres, pensé et écrit le rôle de Raoul, le personnage de Raoul. Alors, je remercie tous les acteurs du film. Salut mon petit Lambert. Je remercie Bernie Bonvoisin. Et alors, la technique. Je voudrais dire un mot. J'ai été ébloui par la technique. Je vais vous dire, parce que la dernière fois que j'ai tourné, c'est, mon dernier film était en 83, 6 ans, 7, 7, 7 ans. Ouais, ouais. Ça, un film tous les 7 ans, on ne peut pas dire que je m'attraque. Je ne fais pas de forcing. Je ne m'impose pas sur les écrans. Oui, c'est peut-être maladroit ce que je dis. Enfin, bon, bravo à la technique qui m'a tellement apporté, qui a été un public formidable. Voilà. Et alors, je termine pour une mention spéciale à Madame Shula Siegfried, sans laquelle je ne serais sans doute pas là ce soir. Merci infiniment, Shula. 2 points, et j'ai fini, je vous assure, c'est fini. 2 points. 1. Je ne le décerne à personne. Je ne le dédie à personne. Je ne le dédie à personne. Et 2e point, mais je pense que ça, vous l'avez compris, je suis extrêmement heureux et fier de ce César que vous m'offrez ce soir et dans un théâtre. Quel tact! Merci. Shula Siegfried a été longtemps attachée de presse et elle est maintenant directrice de casting.
Innovation. Innovation, pour les habitués, je décerne deux Césars. C'est le César de la première œuvre, je veux dire du premier film. Moi, je trouve que première œuvre, c'est un petit peu pompeux. Je dis, vous nous avez laissé une œuvre épatante. Moi, j'ai envie de dire, ton premier film est épatant. Je ne sais pas pourquoi, c'est plus convivial, plus sympathique. On va choisir entre Peau de vache de Patricia Mazui, La salle de bain de John Wolf, La soule de Michel Cibra, Suivez cet avion de Patrice Ambard, Tolérance de Pierre-Henri Salfati et Un monde sans pitié d'Éric Rochon. Première œuvre ou pas, le lauréat montra ses marches pour la première fois, sans doute pas pour la dernière. Un monde sans pitié, Éric Rochon. Le film a été l'un des événements du Festival de Venise 89. Il a de plus été couronné par le jury du prix Deluc. Mais Rochon et son ami producteur se sont battus pour mener ce film. Ils ont rencontré de nombreuses difficultés financières. Le film là est là, et la récompense aussi qui couronne leur ténacité. Il y a trois personnes dans cette salle qui savent très bien, mieux que quiconque, à quel point on revient de loin. Alors, je voudrais leur dire non pas merci, mais bravo. Bravo Hippolyte Girardot. Bravo alors Alain Roca. Et Pascal, je t'embrasse. Alain Roca est le producteur du film. J'ai annoncé maintenant celui qui va me suivre. C'est dans la profession le seul à avoir vu un Sept d'or, un Molière et un César. J'ai nommé le jeune Arditi. Il a tout eu, Pierre Arditi, c'est vrai. Il joue actuellement L'idée fixe au théâtre Héberto à Paris. Merci, merci beaucoup. Merci. Oui, les cheveux, M. Noiret, d'accord, voilà, pardon. Bien. Très bien. Voilà, alors, oui. Oui, pardon, excusez-moi, voilà. Bah écoutez, c'est bien, encore un peu de chance, je vais m'en sortir avec seulement les nominations, ça va être formidable. Alors, Ève Ruggieri a parlé tout à l'heure d'un concours, c'est-à-dire que dans un concours, il y a forcément des gagnants et des perdants. Et ben moi, je voudrais dire aux cinq jeunes femmes, qui sont les cinq jeunes espoirs féminins, ce soir, qu'elles ont au moins gagné une chose. C'est qu'elles sont nos espoirs, effectivement. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire qu'à nos yeux, aux yeux de la profession qui réunit ici, elles sont celles en quelles nous croyons. Et ça, c'est une chose qui leur appartient tout de suite, maintenant, quel que soit le résultat final, quel que soit le nom qui se trouve dans cette enveloppe, c'est une chose qui leur appartient et qui leur appartiendra toujours. Voilà. Alors maintenant, les cinq nominations pour le meilleur jeune espoir féminin sont Dominique Blanc, dans Je suis le seigneur du château. Isabelle Gélinas, dans Suivez cet avion. Vanessa Paradis dans Noces blanches. Mireille Perrier dans Un monde sans pitié. Et Valérie Straud dans Baptême. Là, je vais prendre mon temps. Et la gagnante est Vanessa Paradis pour Noces blanches. Après les
Les victoires de la musique après le prix Romy Schneider, un nouveau trophée pour Vanessa. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais remercier... Oh, j'ai déjà pleuré Victoire, j'ai pas pleuré au César encore. Je remercie Margaret Ménégos, qui est la productrice de Noce Blanche, qui m'a beaucoup aidée sur le tournage. Je remercie Jean-Claude Brissot de m'avoir fait confiance à une époque où c'était un petit peu dur, où je sais rien. Merci à tout le monde, allez. Il y a maintenant celui qui me suit et qui suit Vanessa Paradis, c'est le jeune Boris Godounov. Monsieur Ruggiero Raimondi. Une grande star cinématographique aussi. Le jeune Boris. Mesdames, messieurs, je suis ravi d'être vous avec ce soir. Et puisque j'ai la musique au cœur, j'appelle Eve Ruggeri. Cinéma avec Don Giovanni, Carmen et Boris Godounov, des films opéra chers à Daniel Toscan du Plantier. Je voudrais vous dire que Ruggiero Raimondi n'est pas seulement la magnifique voix que nous savons, mais que c'est aussi un comédien professionnel, puisque c'est votre troisième film au moins. Oui. Il y a eu Don Giovanni avec Lozé, et puis Carmen avec Rosie, et puis le dernier, Boris Godounov, Zulawski. C'est tout de même un beau palmarès et je propose que l'on applaudisse aussi l'acteur. Alors, les trois nominations pour la meilleure musique écrite pour un film sont Oswald d'Andrea pour La vie et rien d'autre. Michael Nyman pour Monsieur Hir. Et enfin Gérard Torricchian pour Un monde sans pitié. Et maintenant. Suspense. On va regarder. Je copie. Le vainqueur, c'est à Oswald d'Andrea. Pour la vie et rien d'autre. Eh bien, Oswald André a travaillé pour Jérôme Savary, c'est lui qui a adapté Cabaret et composé la musique de D'Artagnan. Je suis ravi, ému, ça c'est sûr, ça doit s'entendre. Et reconnaissant, je voudrais citer ce soir, bien entendu, Jean Cosmos et Bertrand Tavernier, qui m'ont fait confiance en travaillant avec moi. Je voudrais remercier aussi les musiciens, sans lesquels la musique aurait beaucoup de mal à se faire entendre.
Et je crois qu'il faut le dire le plus souvent possible. Et je voudrais dire aussi un merci à la très belle prise de son de William Flageolet. Voilà, merci à vous tous, je suis très ému et très ravi aussi. Alors, puisque nous parlons musique, nous allons nous tourner tout naturellement vers le son. Mais je voudrais, auparavant, que vous assistiez, c'est la première fois en direct, un détournement d'image, et vous allez voir comment un certain Carl Zero parvient à s'infiltrer dans un certain nombre de films et en perturber quelque peu les dialogues. Regardez. Donc, Adjani a porté plainte contre vous. Je m'en fous. Vous l'avez violé, oui ou non? Je ne me rappelle pas. L'été dernier, quand on habitait encore à Ram, j'allais dans une clairière en haut des collines pour brunir. Une fois, j'étais toute seule et deux types m'ont... Enfin... En échange d'un César? Mais vous savez à quel genre de salaud j'avais affaire? Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit qu'ils me casseraient l'os du nez avec un tisonnier, toutes mes dents, qui ferait pareil à ma mère, qui lui arracherait tous ses cheveux, qui lui ferait avaler. Les monstres! Jurez-moi que vous répéterez rien, à personne. Jurez-le. Non, Isabelle, le public doit savoir. Zéro finira bien par me dire qui était avec lui. Il y en a qui disent qu'il porte une perruque. Belmondo. Guilux. Bah, mettez-vous à ma place, c'est pas facile. Il picole. Il picole pour oublier sa perruque. En juillet. Question date, ça concorde. Qu'est-ce que vous voulez savoir au juste? Bah, si c'était bien Adjani. Ah oui, oui, oui. Dans l'ascenseur. Comment ça, dans l'ascenseur? Mais je croyais que c'était dans une clairière. On a pris l'ascenseur ensemble. Et alors, on était serrés. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Elle était tout contre moi, il faisait chaud, je sentais ses seins contre ma poitrine. Son parfum, c'est... Vous voulez que j'arrête? De mentir, oui. En juillet, Jenny était à la campagne, donc c'était pas Jenny. C'était une autre actrice. C'était fatigué, je peux... Non, c'est pas la peine, laisse, ça va. Bon, pour avoir un César, t'as couché avec Pierre Richard. Ah, mais qu'est-ce que t'en sais, qu'est-ce que ça change? Bah, ça change que c'est Adjani qui a eu César. C'est avec Zéro qu'il fallait coucher, Richard, il a aucun pouvoir. Mais écoute, t'as l'esprit mal tourné, qu'est-ce que ça me fout? Toi, rien, mais t'as pensé aux nominés qui vont passer à la casserole? Ben, non, c'est vrai. Zéro, moi, je vais me le faire. Et maintenant... On va parler de quoi? De chiens, d'oiseaux? Change de ton si tu veux ta dose. Peut-être mieux que j'en prenne pas. Je suis assez énervé comme ça. Comme tu voudras. Je veux savoir, 1, sur quel nominé t'as acheté ton dévolu cette année? 2, le nom de ton complice pour Adjani? Picole. Ça, tu me l'as déjà dit. Je veux son nom. Non. Ah, tu dis rien, hein? Mon crapule. Tu veux parler, oui? Ah ben, vous me faites mal, non? Mais vous êtes dingue! Jenny, Siro t'a dénoncé. Je m'en fous. Il m'a tout dit pour Adjani. Moi, je l'emmerde. Oh, tu changes de braquet, hein. Et puis tu me dis le nom de celle que t'es allé voir à qui t'as promis un César cette année. Et toi aussi, je t'emmerde. Dis donc, tu pourrais être poli, non? Non. Et c'est quoi cette nouvelle perruque? T'es passé chez Bernard Darniche? Quoi? Non, laisse tomber. Tu me donnes le nom, puis tu peux partir. Toi, tu pars, mais moi, je reste. Hé, regarde là! Et hop! Ah! Alors qui? Béard, Bonheur, Bouquet, Balasco, Azéma? Ah, je me suis permis d'entrer. Mmh. C'était la seule façon de vous approcher. Et puis, j'ai quelque chose à vous montrer. Non. J'ai la preuve que les Césars sont truqués. Johnny et Cero ont violé la gagnante. Ah bah... Non, ne téléphonez pas à Craven. Ça lui ferait trop de mal. Vous savez ce qu'on va faire plutôt tous les deux? On va violer Zéro. Vous avez bien de la chance. Alors vous voyez ce à quoi l'on peut parvenir si l'on fait confiance non seulement aux preneurs de son, mais aussi aux monteurs et aux monteuses. Alors je vais enchaîner puisqu'il le faut. Pour les 3 nominations pour le meilleur son, les nominés sont Michel Deroy, Gérard Lamps, William Flageolet pour La vie et rien d'autre.
Et puis Pierre Gamet, Claude Villon pour Bunker Palace Hotel. Et puis Pierre Lenoir et Dominique Hannequin pour Monsieur Hir. Et le César est attribué à Pierre Lenoir et Dominique Hannequin pour Monsieur Hir. Bonsoir, je suis très ému. Alors, je prépare un petit papier, je ne veux pas trop vous embêter, mais néanmoins, je suis venu seul prendre ce César, parce que Pierre Lenoir est actuellement en Inde avec Sajagitré, et il s'excuse de ne pouvoir être, participer à la fête. Mais enfin, donc, ce César est le nôtre. Il est aussi celui de toute une équipe, parce que nous sommes les seuls nominés, les seuls nommés, mais le son, c'est pas un travail personnel, c'est le travail d'un tas de gens, c'est un travail d'une équipe. Alors je voudrais remercier Jean Goudier, qui est le monteur son de ce film, et puis par... Voilà, oui, on peut le faire, ok. Et puis remercier surtout Patrice Lecomte, la monteuse, Joël H. C'est-à-dire que, je veux dire, il y a des films qui sont des films... je crois qu'on ne peut pas travailler sur un film sans l'aimer, parce qu'autrement, on fera autre chose. Mais il y en a que, plus particulièrement, on le fait dans la joie et le bonheur, avec le cœur. Et faire un film avec Patrice Lecomte, c'est le faire vraiment avec le cœur, et sans aucun problème, et tout le monde parle de la même langue, tout le monde s'attache au film, et tout le monde espère que ce soit le mieux possible. Alors je pense qu'on l'a sans doute fait. Et puis, dernière petite chose, j'ai fini. Hein. Je voulais remercier aussi tous les gens qui actuellement font beaucoup d'investissements dans le son. Nous sommes maintenant les premiers en Europe, et on a une nouvelle technique qui nous permet de pouvoir vous donner plaisir dans les bonnes et dans les grandes salles. Et puis on espère que vous irez tous dans les bonnes et dans les grandes salles pour écouter un joli son, voir une belle image, parce que c'est le grand écran, c'est très bien. Voilà tout ce que je voulais dire, et puis je vous remercie mille fois. Merci. Oui, et merci aux exploitants qui font l'effort de rénover leur salle pour avoir un son parfait. Eh bien, maintenant, j'ai le plaisir d'appeler sur cette estrade Mademoiselle Carole Bouquet et Monsieur Anthony Delon. Bonsoir. Les 5 nominations pour le meilleur jeune espoir masculin sont Yvan Attal dans Un monde sans pitié. Avant de dire le suivant, je voudrais de tout mon cœur leur souhaiter vraiment la bienvenue parmi nous, voilà, qui sommes là ce soir. Alors, il y a Jean-Yves Berthelot, qu'il me pardonne. Je voudrais savoir comment il s'appelle. Je fais peut-être une erreur. Dans Baptême. Thierry Fortino, dans Comédie d'été. Melville Poupeau, dans La fille de 15 ans. Et Philippe Voltaire, dans Les Bois noirs. C'est terrible, mais je suis pas mécontente. Le César est attribué à Yvan Attal dans Un monde sans pitié. Yvan Attal, formation Cours-Florent. Éric Rochant lui donne sa première chance avec Un monde sans pitié. Et il a l'intention de lui confier le rôle principal de son prochain film. Bah, c'est génial. C'était déjà génial de faire le film. En plus d'avoir un César, c'est super. Merci beaucoup.
quand on parle des Césars, on pense à César, le sculpteur. Je sais pas où il est, César, que j'aime. Quand on parle du sculpteur, on pense au César de Rému. Quand on parle de Rému, on pense à Pagnol. Aussi sommes-nous heureux de vous présenter en avant-première quelques images du film qu'Yves Robert a tiré de deux livres que nous avons tous lus, ou presque. La gloire de mon père et le château de ma mère, qui sont des souvenirs d'enfance de Pagnol. Alors, nous sortîmes du village et commença la féerie. Je sentis naître un amour qui devait durer toute ma vie. Un grand oiseau noir marquait le milieu du ciel, et de toutes parts, comme une mer de musique, montait la rumeur cuivrée des cigales. Celui-là, c'est Tête Rouge. Ça, c'est Tête Ronde. Et celui-là, c'est le Taoumé. On lui dit aussi le Tubé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'appelle le Tubé et aussi le Taoumé. Mais quelle est l'origine de ces mots? L'origine? Eh bien, c'est qu'il a deux noms. Et alors? Et alors, vous aussi, vous avez deux noms. Et moi aussi. Et là-bas, au fond, c'est Garlaban. Aubagne est de l'autre côté, juste au pied. Moi, je suis né à Aubagne. Alors, tu es d'ici. Et moi je suis là, Saint-Loup. Est-ce que je suis d'ici? Un peu maigre. C'était le couillon. Et maintenant, on va vous parler des costumes. Alors, on dit que dans la vie, l'habit fait pas le moine. Enfin, en ce qui me concerne, sans eux, sans ces gens qui font des costumes, je n'arriverai pas à faire la moitié de ce que je sais faire, un tout petit peu. Les trois nominations pour les meilleurs costumes sont... Catherine Leterrier pour la Révolution française. Jacqueline Moreau pour La vie et rien d'autre. Et Théodore Pistec pour Valmont. Le César est attribué à Théodore Pistec pour Valmont. En 1984, il a reçu l'Oscar pour le costume d'Amadeus. Le collaborateur de Théodore Pistec, j'amènerai ça à Prague avec votre cœur. Merci à tout le monde qui a voté pour nous, les inconnus, en tchèque et en italien. Et merci à toute l'équipe costume et à notre producteur Paul Rassam et Claude Berry qui nous a permis de travailler. Merci. Merci à Paul. Bref, vive le cinéma européen. J'ai oublié, il faut que j'appelle l'auteur de L'Ours, de La guerre du feu. Jean-Jacques, tu es où? Il est derrière déjà. Il est déjà parti? Il est derrière. Jean-Jacques Hano. Ça, c'est le chouchou des Césars. Il en a obtenu 5, il en est donc le recordman. Elle n'a pas appris son texte, c'est pas grave. Il y a des films qui n'ont pas de chance, ils sont pas français. Bon. Alors, mais ils sont nominés, hein. Il y en a 5 qui sont nominés. Alors, les 5 nominations pour le meilleur film étranger sont... Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore. Sera,
Les liaisons dangereuses de Stephen Frears. Which for the first time ever with me outlasted the pleasure itself. She was astonishing. Rain Man, de Barry Levinson. Sex, mensonges et vidéos de Steven Soderbergh. I'm just gonna keep asking. I just don't find, you know, the turning the tables thing very interesting. Why do? Tell me why, Graham. Why? Et le temps des gitans de Emir Kusturica. Alors avant d'ouvrir l'enveloppe, je voudrais quand même rappeler, pour flatter le coq qui sommeille en vous, que deux de ces films ne sont pas aussi étrangers que les autres. Il s'agit évidemment de Cinéma Paradiso, qui est une coproduction française avec Philippe Noiret, vous l'avez vu, et puis Les Liaisons Dangereuses, d'un auteur français, à ne pas confondre avec le film pas du même nom, le film français pas du même nom, qui a été fait aussi en France, mais enfin, Les Légions Dangereuses a été fait avec une équipe française ici dans ce pays. Alors j'ouvre l'enveloppe. Bon, ben, on aime ce qu'on fait. C'est Les Liaisons Dangereuses de Stephen Frears. Le voici, Stéphane Frears. C'est un énorme succès que ces Liaisons Dangereuses avec la belle Michelle Pfeiffer, qui sera l'une des rivales pour Isabelle Adjani pour l'Oscar. Bonne chance, Isabelle. Merci beaucoup. Great. I'm sorry, I speak no French. Because I am British. As are my friends Christopher Hampton and Norma Heyman. The actors were American. And the crew, who were wonderful, were French. And the novel is yours. Some of us in England are looking forward to 1992. Bon, vous avez compris, il a dit très gentiment qu'évidemment, il ne parlait pas le français parce qu'il était anglais. Il a rappelé que l'équipe était française et que le roman nous appartenait. Il attend, comme beaucoup d'autres, l'Europe de 92. Vous savez, la remise d'un César est une besogne extrêmement lourde. Et à partir du deuxième, il faut se faire aider. Alors, j'avais imaginé qu'on allait me faire venir une jeune femme. Et il paraît que j'en vois beaucoup trop en ce moment. Alors, j'appelle un monsieur qui prend sa retraite, mais c'est un monsieur que vous connaissez très bien et qui s'est occupé de 5000 films. Alors, qui peut en dire autant? Je ne sais pas s'il y en a un dans cette salle qui se lève. Il paraît, on m'a donné une petite note, il paraît qu'il a développé 4 milliards de mètres de films, c'est-à-dire qu'il peut se faire un téléphérique de Paris à la Lune et il lui reste encore 12 longueurs. Enfin, je devrais dire d'Épinay à la Lune, parce qu'il s'agit de celui qui a dirigé les laboratoires Éclair pendant 43 ans, et c'est Philippe Dormoy. Alors, vous remarquez qu'il n'est pas venu en blouse blanche, c'est pas parce qu'on est dans un laboratoire qu'on est en blouse blanche. C'est incroyable, les labos, c'est extrêmement gai la nuit. C'est beaucoup plus marrant que les boîtes de nuit. Et moi, j'ai passé beaucoup plus de temps dans cet endroit, chez vous, monsieur Dormoy, que dans les boîtes. Il y a des gens formidables chez vous. Merci. Merci. Alors, un plaisir pour tous. Les 3 nominations pour la photo, évidemment, il remet le César de la photo parce que c'est là que les chefs opérateurs vont passer leur nuit.
Les trois nominations pour la meilleure photo donc sont Ivan Gelo pour Nocturne Indien, Bruno de Keyser pour La vie et rien d'autre, et Philippe Rousselot pour Trop belle pour toi. Le gagnant. Ça tremble dans les rangs. Ça tremble. Ivan Gelo pour Nocturne Indien. Ivan Gelo a été assistant sur 20 films. En 84, il devient cadreur. Direction de la photo depuis quelques temps. En plus, étude musicale complète, c'est un excellent pianiste. Bien, je suis vraiment très heureux pour le film que cette récompense lui soit attribuée et très honoré que ce soit le directeur de laboratoire Éclair qui me le remette. Ce César appartient bien sûr à toute l'équipe française et l'équipe indienne de ce film qui a été si merveilleusement préparé et bien sûr à Alain Corneau qui nous a fait vivre des moments fabuleux et des émotions de tournage que, personnellement, je ne suis pas prêt d'oublier. Je souhaiterais que ce César me pousse à aborder mon travail avec toujours plus de passion et d'humilité. Merci beaucoup. Et peut-être un jour à la réalisation, comme Bruno Duiten, qui a fait Camille Claudel. Bien. À cette époque-là, j'étais un tout petit garçon, j'avais des culottes courtes, je crois bien me souvenir, j'avais très jolies jambes sans poils. Et j'allais pour la première fois au TNP. Et c'était une matinée classique, ça venait de commencer, et soudain, je suis pris de panique, je crois que le balcon tombe, ou qu'il y a un incendie, c'est un hurlement dans la salle. Et pourtant, je savais que je venais voir autre chose qu'un acteur, autre chose qu'une pièce, autre chose qu'un acteur. C'était déjà un mythe. C'était quelqu'un que les mères de mes copines voulaient pour gendre. C'était quelqu'un que mes copines voulaient pour mourir dans ses bras. Et puis moi, je voulais lui ressembler, évidemment, pour qu'elle accepte de répéter dans les miens. Il est parti à 37 ans, à 37 ans, il y a tout juste 30 ans. C'est Gérard Philippe. C'est souvent comme ça qu'on commence d'aimer. Je meurs de sommeil. C'est ce que prétendent les femmes qui veulent se débarrasser de quelqu'un. Je ne vous le fais pas dire. Oh. Bonne nuit. Je n'ai pas le droit, je n'ai plus le droit. Ce sont les autres qui n'avaient pas le droit. Comment l'amour peut-il être un péché? Il n'y a qu'un seul péché, c'est de ne pas aimer. Au secours! À moi! À moi! Oh, regarde où on arrive! Surtout ne t'arrête pas! Fonce dedans! Attendu que vous êtes bête et méchant, et que je désire procurer à la dame qui nous occupe un peu de liberté, je me vois dans l'obligation de vous mettre au lit pour quelques semaines. Et recevez par-dessus le marché la bénédiction des petits curés. Un soldat français ne se cache pas. Voici nos trous. Je dois reprendre le combat. Quand nous reverrons-nous? Et là? Je saurai te retrouver. Adieu. Qu'un homme est heureux de vivre des heures pareilles. Oh, quelle belle époque. Et qui te parle de rêve? Tu as réellement fait de l'or, tu as réellement désiré la princesse, et tu es réellement le chevalier en rue. Alors, et pourquoi suis-je ici?
parce que je viens de t'y transporter moi-même. Ne te fâche pas, tu m'as dit que toutes mes ruses étaient de bonne guerre. Pourquoi les hommes sont pauvres? Pourquoi l'enfant est pauvre? Pourquoi les champs sont nus? Pourquoi tous ces gens ne s'embrassent pas, ne chantent pas des chants de joie? Pourquoi leurs visages sont si sombres? Pourquoi ne donne-t-on rien à l'enfant? Avant de remettre à Anne-Marie Philippe ce César de la mémoire, du souvenir, de la mémoire vivace, je voudrais vous inviter à découvrir quelques images inédites de Gérard que nous devons à la grande gentillesse de sa femme Anne. George Wilson à l'écran qui a fait partie du TLP. Ma chère Anne-Marie, nous sommes promis de faire court et gai. C'est la meilleure façon, je crois. Bon, alors il y a d'autres personnes ici qui ont été aussi, comment dirais-je, autorisées que moi, et peut-être même plus, à vous parler quelques minutes de Gérard. Il y a George Wilson, il y a Suzanne Flon. Quand j'ai pensé à ce petit speech, je me suis perdu dans des milliers de souvenirs. Sur Gérard, des souvenirs professionnels, des souvenirs d'amitié, de camaraderie. Et je ne savais lequel choisir. Alors égoïstement, tout à l'heure, là, juste en coulisses, je me suis dit que j'allais en choisir deux moments de ma vie avec lui, ou à ses côtés plus exactement. Le premier, en 51 ou 52, j'avais 21 ans. Et 22 ans, j'avais été à Avignon, avec des amis élèves comédiens. Et ça a été la révélation. Ça a été le coup de foudre du génie sur scène. Et j'ai eu deux révélations le même soir. La révélation d'abord des sommets qu'un artiste, un acteur artiste, on oublie trop souvent que nous pouvons quelquefois être des artistes, qu'un acteur artiste pouvait atteindre dans son art. Et l'autre révélation qui était moins gaie, c'est que quoi que je fasse et quoi que j'entreprenne, je n'atteindrai jamais ces sommets. Mais enfin, on se fait une raison. Et puis, l'autre souvenir que j'ai, de lui, c'est encore plus égoïste. Je passais une audition devant Villard. Villard n'était pas là pour entrer au TNP. C'était votre père qui les faisait passer, ces auditions. Et alors, je revois comme si c'était hier, votre père venir à la rampe, là, et me dire, vous, monsieur, venez voir par là. Et j'étais engagé pour 7 ans pour travailler à ses côtés, sous la direction de Jean Villard et sous la direction de votre père aussi, qui m'a mis en scène. Voilà. Je me souviens aussi que j'ai donc joué, je ne sais pas, une dizaine de
pièces avec lui. J'ai joué des centaines de représentations. Et sur ces 100 ou 200 ou 300 représentations, il m'est arrivé très souvent, et c'est rare quand on joue avec quelqu'un tous les jours, il m'est arrivé très souvent quand je n'étais pas en scène d'aller en coulisses, simplement pour subir l'enchantement. Voilà, Anne-Marie, si vous voulez bien venir. Merci. Il a mis des lunettes noires, il se cache. Oui, c'est mieux. Ah. Je casse tout. Écoutez, je suis très heureuse et très fière, bien sûr, de recevoir ce César pour mon père. Philippe a parlé de joie et de bonheur. Plutôt qu'un hommage, je préférerais qu'on parle de fête. Et que nous nous réjouissions qu'il soit toujours aussi présent, chez les jeunes aussi. Ce qui est rare, il n'y a pas tant de comédiens qui soient restés à ce point. Et pour cette vie sociale importante qu'il a eue, ce rôle très important du SFA, je pense au SFA, à la convention collective, et je sais de quoi je parle, je tourne en Italie en ce moment, il n'y a pas de convention collective, on bosse 19 heures par jour. Donc, et l'homme, et sa famille, vous avez vu ce film, c'est la première fois que nous le sortons, quoi, que ma mère accepte, et que nous avons souhaité, nous, ses enfants, Olivier n'est pas là ce soir, mais il nous regarde, je pense, que ce film soit vu, parce qu'il est important maintenant de, peut-être pour nous qui assumons sans doute mieux les choses, de débloquer certains mystères qui ne doivent plus être des mystères, mais simplement un amour commun pour une même personne. Je vous embrasse et merci. Soyons réalistes et réalisons qu'il n'y a pas de réalisation sans réalisateur. C'est lui qui impose le silence et qui crie. Coupé. Mais non, moteur. Les nominations pour les meilleurs réalisateurs sont Bertrand Blier pour Trop belle pour toi. Alain Corneau pour Nocturne indien. Miloš Forman pour Valmont. Patrice Lecomte pour Monsieur Hir. Et Bertrand Tavernier pour La vie et rien d'autre. Tu peux m'aider, Costa, j'y arrive pas. Voilà. Le César est attribué à Bertrand Blier, trop belle pour toi. Le film a obtenu le prix spécial du jury à Cannes. Il était temps que Bertrand Blier soit couronné. C'est l'un des auteurs les plus importants du cinéma français. Merci. Pour une fois, ce n'est pas l'auteur, c'est le réalisateur, et j'en suis très très content, parce que l'auteur et le réalisateur se haïssent, et c'est une belle vengeance. Merci à tous. Bertrand Blier avait eu le César du scénariste en 80 pour Buffet froid, d'où cette allusion. Et si je vous parle maintenant des services militaires, vous allez me dire, qu'est-ce que ça va avec le cinéma ?
Eh bien, c'est parce que de nombreux cinéastes célèbres aujourd'hui ont fait leur premier pas dans le cinéma pendant leur service militaire à l'ECPA, Service Cinéma, Photo et Vidéo de notre armée. Oui, il y en a eu beaucoup, dont vous, cher Costa Gavras, ainsi que Robert Enrico, Claude Miller, Alain Cavalier, Jean Giraud, Michel Aumont. Jean Delannoy, qui pense sans doute à l'Éternel Retour ou à la Symphonie Pastorale ou à Bernadette. D'autres encore, acteurs et puis metteurs en scène, Philippe Labro, présentateur Michel Drucker. Regardez la pêche qu'a ce jeune homme, il est pourtant fils d'officier. Pense déjà à la 317e section ou au crabe tambour. Tout le temps de regarder les paysages et la lumière pour devenir un grand directeur de la photo. En route pour l'homme de Rio. Il ne savait sans doute pas qu'un jour l'été serait meurtrier. Et lui pensait déjà partir, mais pas revenir. Après le moteur, le monteur. Ou les monteuses, elles sont beaucoup plus nombreuses. Hein. C'est le montage qui donne au film sa respiration, son souffle de vie. Les trois nominations pour le meilleur montage sont Joël H. pour Monsieur Hir. Claudine Merlin pour Trop belle pour toi. Et Armand Pseny pour La vie et rien d'autre. La gagnante est Claudine Merlin, c'est trop belle pour toi. Le temps d'une montée pour préciser que Costa Gavras revient de Berlin avec l'Ours d'Or pour son film Music Box. Ben, je suis ravie, surtout que ce soit sur un film de Bertrand Blier, parce que ça représente 20 années d'amitié, de travail et surtout de plaisir. Et maintenant, pour remettre le César de la meilleure actrice, nous appelons un scénariste, un metteur en scène, et un merveilleux comédien, j'ai nommé Michel Blanc. Merci, bonsoir. On m'a fait un gros cadeau puisqu'on m'a demandé de remettre le César de la meilleure actrice. Et que franchement, au cinéma, c'est quand même ce que je préfère, les actrices. Alors voilà, les cinq nominations pour la meilleure actrice sont... Sabine Azéma dans La vie et rien d'autre. Non mais c'est pas censé. Il y en a dans toutes les gares, dans tous les hôtels, dans tous les grands magasins. Mais vous, évidemment, hein, de cette manière, vous êtes tranquille. C'est merveilleux les hommes, tu sais. Josiane Balasco dans Trop belle pour toi. Quand ils se relâchent, quand tout à coup, ils deviennent lourds, sans défense. La mémoire des femmes, c'est leur épaule. Ils cherchent du boulot. Emmanuel Béard dans Les Enfants du Désordre. J'en ai jamais trouvé du boulot. J'en ai jamais trouvé parce que je suis pas capable d'en trouver. Je suis pas capable d'en trouver parce que je suis capable de rien faire.
Sandrine Bonnaire dans Monsieur Hir. Si vous m'aviez protégé dans les écrivains, les frères, vous n'aurez jamais fait ça. Ça aurait pu durer encore très longtemps. Vous avez abusé de moi. J'ai peur. Peur de quoi? Et Carole Bouquet dans Trop belle pour toi. Du coup, je vais te voir, je vais te toucher. Tu t'aimes, tu sais. Tu t'aimes pas comme au début. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense parce que c'est infernal, y compris pour moi, qui suis très curieux de nature. Le César est attribué à Carole Bouquet dans Trop belle pour... Eh bien, c'est la première grande récompense pour Carole Bouquet, qui a un rôle très difficile dans Trop belle pour toi. Une juste récompense qui couronne une carrière qui a commencé avec Buñuel. J'ai été élevée parmi vous, parmi nous qui faisons du cinéma, par Buñuel, qui m'a fait partager non pas un film, mais un rôle avec Angela Molina. Alors, je dis ça pour Josiane, qui profondément me manque parce que l'une avec l'autre, ensemble, je sais vraiment ce que ça veut dire. Et je ne travaille pas l'une contre l'autre, jamais. Et si je suis là ce soir, je voudrais lui dire que c'est parce que si jamais on m'avait dit que j'avais fait du bon travail, eh bien j'avais envie de me l'entendre dire, parce que ça fait plaisir, très plaisir. J'aime raconter des histoires, pas les miennes, celles des autres. J'aime que de la tête d'un homme, je ne sais pas où est Bertrand, surgisse une petite bonne femme pour moi. Merci à lui. Et puis, je voudrais dédier ça, que j'attends quand même depuis quelques années, à mes fils parce qu'ils ont de bien beaux noms. Ils s'appellent Louis Jacobetti et Dimitri Rassam. Nous allons passer maintenant à quelque chose de plus grave. Beaucoup d'entre nous ne sont plus. Nous avons une profession qui a été, je trouve, extrêmement marquée cette année. Et la séquence qui va suivre va rendre hommage à ceux qui ne sont plus là. Alors, on m'a demandé de vous prier de ne pas applaudir avant la fin de cette séquence, comme chaque année. Merci.
Magnifique chanson extraite du dernier album d'Alain Souchon. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande de remettre le César du meilleur court-métrage. Je commence à me demander s'il n'y a pas une allusion sournoise à ma taille. Je vais approfondir pour l'année prochaine. En tout cas, les deux nominations pour le meilleur court-métrage d'animation sont Le porte-plume de Marie-Christine Perraudin et Sculpture, sculpture de Jean-Loup Felicioli. Alors, le César est attribué au porte-plume de Marie-Christine Perraudin. J'adore ça, vous voyez, ouais, c'était des vraiment bises. Des séquences formidables. Où est-ce que je le pose? Qu'il y a une petite caméra. Je peux là, vous tenir, si vous voulez. D'accord. Ben, okay. Voilà. Alors, attendez que Parlez je me rappelle. Parce que je suis faible, hein. Non, non, je sais, mais je vais être très, très brève. Mais j'ai quand même une ou deux petites choses que je veux dire. D'abord, je veux remercier, bien sûr, toute la famille Porte-Plume. Et puis, j'ai une petite communication à vous faire, une communication urgente, que je vais essayer, je ne vais pas la lire, mais je, normalement, il faut que je m'en rappelle. Jeune réalisatrice chanceuse échangerait César contre une aide pour son prochain court-métrage, une aide au financement naturellement. Pas sérieux s'abstenir, voilà. Mais ça peut très bien arriver. En 88, Éric Rochand recevait le César du court-métrage et cela lui a permis de faire le long-métrage. J'ai embrassé très fort Folimage et Jean-Loup Felicioli, j'ai oublié. Les deux nominations pour le meilleur court-métrage documentaire sont « Chanson pour un marin » de Bernard Aubouy et « Le faucon de Notre-Dame » de Claude Farny. Et le César est attribué à « Chanson pour un marin » de Bernard Aubouy. Si mes petites notes sont exactes, monsieur serait le fils de Bernard oui. Aubouy. Voilà, elles sont exactes. Mon père est absent ce soir, donc il m'a chargé de venir récupérer ce César à sa place. Donc, oui. Il va faire un peu. Non, mais allez-y, moi je peux faire pareil. Hein. Hein? Bon, okay. Je vous assure. Donc, je tiens à le remercier. Non, à vous remercier pour lui. D'autant plus que j'avais parié avec le coproducteur de ce court-métrage, Farid Chaouch, un scooter sur ce César. Donc personnellement, je tiens à vous remercier pour le scoot. Pour le scooter. Mais il y a déjà un scooter dedans, hein, ça fait partie de... Enfin... Les trois nominations pour le meilleur court-métrage de fiction sont « Ce qui me meut » de Cédric Clapiche. Lune froide de Patrick Bouchité. Et Vol nuptial de Dominique Crèvecoeur. Le César est attribué à Lune froide de Patrick Bouchité. Bah écoutez, ça fait très plaisir. Hein. C'est pas une originalité, mais c'est vrai, ça fait vraiment plaisir. Je voulais vous dire que j'ai été très heureux d'être passé derrière en fait la caméra. Ça, c'était un peu une chose nouvelle pour moi, mais en tous les cas, j'espère que ça va m'aider à continuer. J'ai bien envie de continuer cette chose-là. Et puis,
Je voulais remercier un certain nombre de personnes quand même. D'abord l'auteur, parce que ce film ne s'est fait que parce que j'ai adapté une nouvelle de Charles Bukowski, le vieux Buko pour les intimes, quelqu'un que j'aime bien, et je le remercie vraiment de m'avoir permis de faire ce film. Je voudrais remercier aussi Erwin Provost, qui nous a donné un bon coup de main. Et puis, je voudrais bien partager le César avec ma compagne qui m'a aidé à produire le film, André Martinez, qui est ici. Je voudrais dire qu'il faut encourager le court-métrage, parce que c'est un peu la cour des petits, et je crois qu'on en a bien besoin. Donc il y a peut-être des choses qui sont à faire pour qu'on fasse plus facilement des courts-métrages, parce que c'est vrai que c'est jamais facile de produire des courts-métrages, et surtout des moyens-métrages. Voilà, je voulais aussi... je voulais dédier ce César, comme ce film, à deux amis qui me manquent beaucoup, Patrick Devers et Xavier Saint-Macary. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais appeler pour me remplacer Nicole Garcia, c'est vous dire que vous ne perdez pas au change. Bonsoir. Elle aussi, elle est passée de l'autre côté de la caméra en réalisant Un week-end sur deux, sorti le 18 avril avec Nathalie Baye. Je vais décerner le César du meilleur scénario. Je suis très contente qu'il m'ait été donné de décerner ce César-là. Les quatre nominations pour le meilleur scénario original ou adaptation sont... Bertrand Blier pour Trop belle pour toi. Jean Cosmos et Bertrand Tavernier pour La vie et rien d'autre. Vierge Olivier, Olivier Chatzky pour Force majeure. Et Éric Rochant pour Un monde sans pitié. Le César est attribué à Bertrand Blier pour Trop belle pour toi. Eh bien, une fois de plus, l'auteur et le réalisateur vont être en conflit, mais c'est un habitué, Bertrand Blier, du César du meilleur scénario. Je t'embrasse. Ah, ben là, l'auteur est très content, je voudrais en profiter. Non, parce qu'il faut quand même pas exagérer sur la mise en scène. Je voudrais en profiter. Ça fait un certain moment que j'ai un certain nombre d'années que j'écris, et j'ai envie de vous parler aujourd'hui de la première personne qui m'a fait confiance pour un scénario original. Ça se passait il y a très longtemps. À l'époque, j'avais pas fait les valseuses. J'étais dans le trou, comme on dit. Ça arrive à beaucoup de jeunes réalisateurs. Et un jour, j'ai loué une voiture pour aller voir au studio de Billancourt un réalisateur dont j'avais été l'assistant jadis et qui montait un film, et j'ai été le voir pour lui demander si à tout hasard il n'avait pas besoin d'un sujet pour son prochain film. Et il m'a dit oui, j'ai rien, et si t'as quelque chose, on le fait tout de suite. Alors je suis rentré, j'ai écrit pendant le week-end une histoire, et le lundi je lui ai donné, et il m'a dit ça marche. Et c'était Monsieur Georges Lautner, et je tiens à lui tirer mon chapeau. Merci. Ah oui. Tout à l'heure, vous avez vu les meilleurs moments des Césars, les plus émouvants. Maintenant, vous allez voir peut-être les plus drôles. Enfin, j'espère, voilà. Et maintenant, au travail. À toi de jouer. C'est Michel qui va déchirer l'enveloppe. Et voilà. Non, mais il y a tellement de choses là, mais... Alors, celui qui a gagné... C'est moi. Le lauréat est... Robert et Robert. Il n'y aurait pas comme une erreur. Le meilleur réalisateur français pour l'année 80 est... 81. 81
C'est le meilleur mot. This one? No. No. This one? No. 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 This one? No. No. This one? No. 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 It happened with the computer. The computer is at fault. Oh! Here! Et voilà, il y en a pour un qui suit, merci. Les trois nominations pour le son. Vraiment très très heureux, je vous remercie beaucoup. Voici l'énorme surprise. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est délicat. Très bien. Nous vous offrons un très joli filet garni pour votre week-end. Ah ben, on mangera ça. Merci. Trois fois rien. Merci. Merci. Je vous remercie infiniment. Merci. Je suis très ému. Je suis très content. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci aux professionnels de la profession. Merci à la standardiste de Gaumont. Merci aux employés de la banque OBC. Merci à ceux-là. Donc les cinq nominations pour la meilleure affiche de cinéma sont Cinéma Paradiso de Juino Bourduge et Gilles Jouin. Monsieur Hir de Annanie Leclerc et Jean-Marie Leroy. Noce blanche de Dominique Bouchard. Trop belle pour toi de Sylvain Mathieu. Et Valmont de Laurent Pétain et Laurent Luffroy. Alors, le César est attribué à Juino Bourduge et Gilles Jouin pour l'affiche de Cinéma Paradiso. Ont obtenu le César de la meilleure affiche. 37 de le matin, Tandem et la petite voleuse, et c'est très important l'affiche. Et les staffs de production passent très très longtemps avant de la choisir. On est deux, c'est moi qui fais le plus de travail, c'est encore moi qui parle. Ouais. Mais il est grand, mais il n'a pas fait grand-chose. C'est Gilles Jouin, notre illustrateur. Bon, on vous remercie pour ce César, parce que ça fait 30 ans qu'on fait des affiches de cinéma. Il était temps que ça arrive. Hein. Merci. Ce César à mon père qui m'a tout appris et je suis très content aussi que c'est assez dur, oui. Il y a eu cinq nominations dont quatre photos et je suis très heureux que ce soit un des cinq qui était élu. Voilà, c'est super. Merci. Maintenant pour le César de meilleur acteur, j'appelle Charlotte Rampling et Roger Hanin. Nous allons maintenant couronner ce personnage insaisissable qui peut prendre tous les visages, ceux de nos désirs, de nos rêves, ceux de nos frayeurs, ceux de nos joies et de nos misères. Ce visage qui nous regarde mais qui nous ne voit pas, l'acteur de cinéma. Bien, moi je dois dire que je suis plus impressionné d'être aux côtés de Charlotte Rampling que de présenter
ces nominations, qui sont donc pour le meilleur acteur Jean-Hugues Anglade dans Nocturne indien. Partez, maintenant, ne restez pas ici. Michel Blanc dans Monsieur Hire. Partez, je vous dis, foutez le camp. Cette femme-là, je lui dis tout. Gérard Depardieu dans Trop belle pour toi. Je lui parle, et elle me comprend. Ou alors l'amour, ce serait de la merde. Une prison de merde. Tu veux savoir si je vais souffrir? Je te le dirai pas. Pas du tout. Je te le dirai pas parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Hippolyte Girardot dans Un monde sans pitié. Si je me mets à genoux, là, si je te supplie, Nathalie, reste, tu vas rester. Mais non. Des centaines d'hectares avec des centaines de cadavres qui noircissent sous un arbre, qui écoutent un dos, qui sortent un pied, une tête. Philippe Noiret, dans La vie et rien d'autre. Nous n'arrêtons pas de nous taire. Ah, mais qu'ils y viennent. Ah oui, pour l'amour de Dieu, qu'ils m'en fassent un procès. Quand on a les yeux d'honneur là, comment les chambres d'écouter comme ça. Lambert Wilson, pour Hiver 54, l'abbé Pierre. Le gagnant va être Philippe Noiret pour La vie et rien d'autre. Eh bien, il était déjà nommé meilleur acteur européen, César en 76 pour Le vieux fusil. Quelle année pour Noiret? Cinéma Paradiso, La vie et rien d'autre et Ripou contre Ripou. Écoutez, fallait pas. Non, c'était pas la peine. Mais enfin, c'est très gentil. Cela dit, je propose une, comment dirais-je, une adaptation pour l'année prochaine. Je trouve que je vais avoir 60 berges cette année. Je trouve que ça devrait être réservé, enfin, on devrait décerner des Césars jusqu'à 40 ans, à peu près. Parce que quand on dit à un jeune acteur de 30 ans, 35 ans, qu'il est le meilleur de l'année, il a encore l'innocence de croire que c'est vrai. Donc ça lui fait un plaisir énorme. Tandis qu'à 60 balais, c'est plus de l'innocence. Si on croyait ça, ça serait de la bêtise. Mais enfin, bon, j'en avais déjà un il y a 15 ans, du modèle ancien, vous vous rappelez? Alors j'ai le modèle révisé maintenant. Et puis Jeannot Rochefort, j'ai aussi, pour aller au milieu, j'ai une très belle coupe du Crédit Agricole pour le concours hippique de Castelnaudary. Que m'a gagné Nivakine l'année dernière. Ça va faire un dessus de cheminée formidable. Merci beaucoup. Rochefort et Noiret sont des passionnés d'équitation et de chevaux. Les acteurs jouent dans des univers toujours différents. Le décorateur que nous allons maintenant récompenser bâtit ces univers et construit des écrins pour nos émotions cinématographiques. Les trois nominations pour le meilleur décor sont Michel Abbe-Vanier pour Bonheur Palace Hôtel, Pierre Dufroy pour Valmont et Théobald Meurice pour Trop belle pour toi. Et le gagnant est Pierre Gouffroy pour Valmont. Eh bien, ça nous fait plaisir que Valmont tienne un César, car enfin, c'est un film superbe et récompense le travail de Miloš Forman et le courage de Claude Berry, le producteur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Félicitations. Ben, ce soir, je pense beaucoup à notre metteur en scène, mon ami Miloš Forman, qui est un homme formidable. Je pense aussi à nos producteurs, Paul Rassam, qui lui a pris beaucoup de risques pour le film. Et je voudrais remercier beaucoup tous les techniciens de mon équipe
qui sont rivés devant la télévision ce soir et qui, je pense, doivent être très, très heureux de cette récompense. Je vous remercie encore tous. Merci beaucoup. De César pour Valmont. Et maintenant, je suis chargé d'appeler Jean-Claude Brialy, qui doit se morfondre parce qu'on l'a tenu bien longtemps loin de vous. Et il va continuer à présenter cette cérémonie des Césars. Jean-Claude Brialy. Mes chers amis, avant de vous présenter les plus belles images du cinéma du monde, je voudrais lancer un appel amical, familier et sincère à mes camarades qui sont restés devant leur télévision pour leur dire, je parle des comédiens et des comédiennes, pour leur dire qu'on s'amuse bien tout de même au César et que c'est bien agréable de se rencontrer au Théâtre des Champs-Élysées. Bien, maintenant je voudrais... Oui, parce qu'on est beaucoup, mais il en manque. Et vous allez voir maintenant un petit montage des plus belles images du cinéma depuis qu'il existe. Évidemment, il y avait des milliers de films. Ils en ont sélectionné 300, 400, puis 80. Maintenant, il y en a 40. Alors que les images que vous avez dans la tête ne soient pas sur l'écran, elles sont dans votre cœur. Ça commence par le cuirassé Potemkin. Et je voudrais rappeler à Jean Rochefort et à Philippe Noiret, qui est un film muet, que je ne suis pas dans le cuirassé Potemkin. C'était moi, Belle. Pourquoi tu m'es jamais de soutien-gorge? Écoute, parle pas comme ça. Bon, je m'excuse. Ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est morte. I made no campaign promises. Because until a few weeks ago, I had no hope of being elected. Fire! Fire! Mets-toi de l'air! Italie! Soldat! Je vous la promets. Sbagliando tu. Die Fische Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Outside of love, everything else seems to be a waste of time. I like men. Without a reputation. Oh, you do talk scandalous.
tonight, tonight, the world is wild and bright, going mad, shooting sparks into space. Je vais donc appeler les 5 nominations pour la meilleure actrice dans un second rôle. Je me souviens qu'un jour, Jean Cocteau m'a dit, Réjeanne était au théâtre, dans son théâtre, et elle avait dit à son metteur en scène, c'était un régisseur à l'époque, autour du moi, du brouillard, du brouillard, du brouillard. Or, dans un film, c'est bien sûr qu'il faut avoir un grand acteur, une grande actrice, mais il est bien intéressant d'avoir autour de ce grand acteur ou de cette grande actrice de ce qu'on appelle des seconds rôles. Et j'en profiterai pour saluer ce soir M. Marcel Carnet qui est là. Qui est l'honneur du cinéma français et qui, un jour, a donné 2 seconds rôles dans Hôtel du Nord à Mademoiselle Arletty et Monsieur Louis Jouvet. Donc je suis content d'appeler Mademoiselle Clémentine Sélarié dans Nocturne Indien. Suzanne Flon dans La Vouivre. Sabine Houdepin dans Force Majeure. Ludmila Mikhaël dans Noces Blanches. Et Micheline Brel dans I Want to Go. Vous savez, Dalio, qui était un grand second rôle, m'a dit, en parlant de Jules Berry, il était merveilleux parce que quand il est entré en scène, on ne voyait que lui et on ne le voyait jamais sortir. Ce qui est sans doute le cas pour Madame Suzanne Flon, qui reçoit... Suzanne Flon a obtenu le César en 1984 pour L'été meurtrier, grande carrière théâtrale, interprète d'Anouilh, d'Audiberti, de Roussin, de Tchekhov. Ben, il était temps, comme j'ai plus de 60 ans. Hein, Philippe, oui. Bon, si certains un jour me disent que ça ne leur fait pas plaisir de recevoir un accueil comme celui-là, je crois que j'aurais du mal à les croire. Alors, je crois aussi que je vais formuler un vœu ce soir.
c'est de jouer à nouveau sous la direction de George Wilson. Metteur en scène de La Vouivre. Au théâtre, il a dirigé Léopold le Bien-Aimé. J'ai eu un Molière. Il a mis en scène La Vouivre. Je repars avec un César. Merci, Georges. Merci. Et merci aussi à Marcel Aimé. J'ai pour lui ce soir une pensée pleine de tendresse. Il nous manque beaucoup, beaucoup. La Vouivre est adaptée d'un roman de Marcel Aimé. Eh bien, je vais appeler notre président qui va remettre le César du meilleur film, mais je voudrais corriger Ève Ruggieri, qui ne fait quelquefois des petites erreurs. Je suis content de lui dire ce soir. Je l'adore, ça pourrait être ma fille, mais comme elle dirige à Antenne 2, faut que je sois gentil. Mais elle a dit chevalier la Légion d'honneur. Monsieur Lang a remis à Monsieur Kirk Douglas les insignes d'officier la Légion d'honneur. Voilà. Monsieur Kirk Douglas. Vous savez, il y a 5 nominés, mais seulement 1 pour gagner. Mais c'est tellement important d'être nominé. Je sais bien, je n'ai pas jamais gagné un Oscar, mais j'ai été nominé plusieurs fois. Mon fils Michael, par exemple, il a été nominé seulement 2 fois. Mais il a gagné 2 fois. Mais je suis fier de lui. Et je suis fier ce soir pour tous les nominés, s'ils gagnent ou non en César. Et maintenant, c'est le moment suprême. Le meilleur film. Excusez-moi. Du cinéma français. Monsieur Heer. Pardon. Nocturne Indien. Mais tu sais même pas ce que c'est que de tourner la tête d'un homme. Trop belle pour toi, belle pour toi. Je t'aime dans les doigts, il m'arrive. C'est mon mec. Vous pouvez pas me le prêter encore un tout petit peu. Il est bien avec moi. Ça vous amuse de faire chier le monde, hein, c'est ça? Eh, dis donc toi, t'as une grande... Au mensonge pitié. J'en ai ras le cul, moi, de me faire arrêter. J'ai pas de travail, j'ai pas de maison, j'ai une bagnole pourrie. Gardez la porte, là. Et t'ouvre pas la porte, je suis obligé de passer par derrière comme un con, putain, je me fais arrêter toutes les 10 minutes. Non, non, le nord, le nord. Bon. La vie est rien d'autre. Écoute-moi, nous, sud-sud-ouest, voilà. Allez. Terrible, là, à chaque fois qu'il y a, qu'il y a du brouillard, c'est pour moi. Hein. Quoi? Et maintenant, nous allons connaître qui a gagné le meilleur film du cinéma français. Trop belle pour toi de Bertrand Blier. Eh bien, Bertrand Blier rafle les prix les plus importants, les Césars les plus importants ce soir. 5 jusqu'ici. Oh.
En 1989, Bertrand Blier, longtemps considéré... Enfin bref, ça a été un film très bizarre, avec plein de souvenirs merveilleux et d'autres moins merveilleux. Merveilleux parce que il était... C'était un film de femme d'abord, ce qui me changeait un petit peu. Et moins merveilleux parce que, pendant que je le faisais, mon père rentrait à l'hôpital. Alors j'entendais tout à l'heure Kirk Douglas parler de son fils Michael, et je pense que Michael Douglas a beaucoup de chance de pouvoir téléphoner à son père tous les jours. Moi, j'ai passé mon enfance à entendre, à rencontrer des gens qui me disaient toujours « Comment va ton père ?» Ou alors c'était « Et ton vieux, ça va ?» D'autres, je ne citerai pas de nom, me disaient « Comment va ton compte-père ?» Eh bien, maintenant, bien entendu, on ne me dit plus ces choses-là. Honnêtement, ça me manque énormément. Alors, je crois qu'un jour, si j'ai un film à faire vraiment avant de m'arrêter, ce sera un film sur lui. À bientôt. Et maintenant, pour clore la soirée, tous les lauréats de la 15e nuit des Césars. Alors nous allons rappeler ses lauréats. La meilleure actrice, c'est Carole Bouquet. Le meilleur acteur, c'est Philippe Noiret. Il faut souligner que Trop belle pour toi, qui avait 11 nominations, eh bien, se taille la part du lion ce soir. Meilleur réalisateur, Bertrand Blier. Meilleure monteuse, meilleure actrice, Carole Bouquet. Meilleur scénario, Bertrand Blier. Meilleur film, Quelle belle moisson, Saint-César. Mais il est vrai que certaines années, des films avaient glané beaucoup plus de récompenses encore. Je pense au dernier Métro. Bienvenue à Vanessa Paradis dans ce club du cinéma. Et puis nous nous réjouissons que Éric Rochant et Un monde sans pitié eh bien, aient obtenu un César. Voilà, bonsoir à tous et en conclusion, une seule devise, vive le cinéma.